trouve-t-on dans l'esprit d'un sadique? Le plus souvent, le bout d'une arme blanche. Mais ont-ils des idées, des souvenirs, des rêves? Voilà des années que j'étudie les sadiques de Pandore. Et je crois qu'ils ont tous quelque chose en commun. Une idée unique, si puissante qu'elle brise tous les esprits qu'elle pénètre. Je l'appelle le Valalarche. Voici Krieg. C'est un pillard écarlate, un ami, et avant tout aujourd'hui, un sadique. Dites bonjour, Krieg. Des vers qui gigotent dans la pourriture. Il n'est pas doué en communication, mais vous ne le seriez pas non plus avec un esprit comme le sien. Et donc, pour obtenir des réponses, nous devons les chercher nous-mêmes. Que sait-on des origines d'un sadique? Que renferme le Valalarche? Nous allons vite le découvrir.